Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Fort Padel de Colomiers pour le dernier P2000 de la saison. On a eu cette année les Pyramides, Perpignan et Padel Horizon. Et nous nous retrouvons pour le dernier de 2022. Et on se retrouve aujourd'hui pour les qualifications le vendredi après-midi. Ce sont les qualifications du tournoi. Et on va retrouver des têtes connues sur la piste. Tout d'abord, dos à nous, à gauche, Emmanuel Martin. Et à droite, Anthony Gravja. Alors leur classement, Anthony Gravja, il est 85e français, Emmanuel Martin 94e. Et au fond de la piste, à droite aujourd'hui, il repasse à droite. On avait vu dans les dernières interviews que il allait peut-être passer à gauche avec Miguel, mais il a préféré rester à droite aujourd'hui. Donc Cyril Hanouna, bien évidemment, 289e joueur français. Et à ses côtés, Miguel Semler, le 60e joueur mondial. Assimilé numéro 1. Et donc le format du match, ce sera 2-7, super tie-break en cas de troisième manche. Ce sont des poules de 4, comme d'habitude. Et le vainqueur de chaque poule sortira et se retrouvera dans le tableau final demain à partir de 9h. Donc pour le planning, demain 9h, le tableau final jusqu'au quart. Et dimanche, demi le matin et finale l'après-midi. Voilà. Alors on est sur Padelmag TV aujourd'hui, hein. Donc, on va peut-être perdre quelques spectateurs. Mon petit Francky, est-ce qu'il faudrait pas qu'on nous mette sur le deuxième ? Salut Vincent. Si vous avez des questions sur le tournoi, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça nous aide beaucoup. On va voir si Cyril va réussir à sortir des qualifs de P2000. Pour l'instant,
Il n'a pas réussi à le faire, que ce soit avec Théo Zapata ou Miguel Semler. Aujourd'hui, ils sont dans une poule assez difficile. On va voir. Eh bien, salut à tous et à toutes. Salut Flo. Alors Xavier, à quelle heure est prévu le match Hanouna vs Julien Pes? Je crois que c'est la dernière rotation, je vais te dire ça tout de suite. Tac tac tac. Non, ça sera la deuxième rotation. Deuxième rotation. Gauthier Boutel, Julien Pes contre Cyril Hanouna et Miguel Semler. Ça sera en quatrième match, donc là on est au deuxième. Quatrième match et ça sera sur le 2. Donc le 2, il vous sera... Ce sera filmé, mais sans commentaire. Et ça va partir sur le terrain avec Miguel Semler au service pour entamer ses qualifications. Et ça commence avec une faute directe de Cyril Hanouna. On rappelle que Miguel Semler, il y a deux jours, il était à Mexico. Anthony et Emmanuel, ils sont 85 et 91e au classement, au dernier classement. Anthony Gravja, j'ai le joueur de droite, gaucher, j'avais fait un tournoi avec lui cet été. Et le premier point pour Hanouna Semler. Et donc Cyril Hanouna, 289e joueur français. Ça c'est bien volé. 30 A. Et donc Miguel Semler assimilé numéro 1. Voilà, c'est facile. Numéro 1 français. Avec son classement mondial, je crois qu'il est 60e. Au classement FIP. Probablement Flo, probablement. Et c'est la première balle de break dans ce match. Les sorties sont interdites, je pense. Je
c'est une chose que j'ai pas demandé, mais vu que ça joue sur les 8 terrains. Ça commence par un break. Premier jeu du match pour Anthony Gravja et Emmanuel Martin qui partent devant. Et vous le voyez au bord du terrain, il y a toute l'émission, toute la production de Objectif Top 100 saison 2. Mais ça va être dur hein, dans cette poule. Pour Cyril, ça serait vraiment un exploit de sortir dans la poule. Donc il y aura aussi Julien Pesse et Gauthier Boutel. Voilà, deux joueurs du top 100. Et enfin Erwan Corbon et Mathieu Boursereau. Un peu moins bien classé que je ne connais pas. Donc Anthony Gravja et Emmanuel Martin sont la tête de série 6 de ces qualifs de ce P2000. Ça va être dur et ça a très mal commencé avec un break. Allez, Emmanuel Martin en service. Ça va faire 15-0. Encore une faute d'Emmanuel Martin. Merci Vincent pour ton retour. Et 40-30 balles de 2 jeux 0 pour confirmer leur break réalisé dans le... Et c'est fait, 2 jeux 0. Quel vibora là de Miguel. Ah, Cyril, hein, il attaque très mal ce match. Hein. Beaucoup de fautes. Ils sont arrivés en dernière minute. Peut-être pas... Pas encore dans le match. Ça c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Miguel. Quarante-trente. Et ça va faire le premier jeu, ça. Premier jeu pour Cyril Hanouna et Emmanuel Martin. Et Emmanuel Martin et Miguel Semler, pardon. Qui reviennent à 2 jeux 1 dans cette première manche.
Allez, bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir discuter avec nous. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous rappelle qu'on est à Colomiers pour le dernier P2000 de la saison. Aujourd'hui, ce sont les qualifications. Demain, tableau final à partir de 9h. On sera là toute la journée jusqu'au quart de finale. Et dimanche, on aura demi-finale et finale comme d'habitude, avec un tournoi où il manque quelques têtes d'affiche. Chez les dames, on n'aura pas Alix, qui était au Challenger Final. Malheureusement, elle a perdu au premier tour hier, en quart de finale. Et Léa Godalier va jouer avec Fiona Ligi. Ce sera la tête de série numéro 1 chez les filles et chez les hommes. Première tête de série, ce seront Johan Bergeron pour son dernier P2000, qui a annoncé sa retraite en tant que joueur, et Adrien Maigret et Johan Bergeron, tête de série numéro 1 de ce tournoi. On aura une belle équipe aussi que j'ai hâte de suivre. C'est Dylan Guichard et Bastien Blanquet, ça va être explosif. On aura en tête de série numéro 2. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vous dirai ça au changement de côté. Je vous donnerai toutes les têtes de série. Là, ça fait 15-30. Hein. 15-30 pour Miguel. Oh, il se rate derrière Miguel, c'est dommage. Ouais, Cyril la laisse dans la bande, 30A. Alors, le tournoi se déroule à Colomiers, au Fort Padel Colomiers, le magnifique club où avaient eu lieu les qualifications du World Padel Tour de Toulouse. Voilà, Cyril qui boisse deux volets. Elle est magnifique. Magnifique cette balle d'Emmanuel Martin, le long de la grille, le long de la vitre. Et salut à RK Rob, qui est le kiné officiel de ce tournoi. Petit plat dans les grands pour les joueurs. Kiné, pressothérapie, cryothérapie. Tout pour que les joueurs soient au top. Et Anthony Gravjac qui vient valider ce jeu. Ils gardent leur break d'avance, 3 jeux à 1 dans cette première manche. J'ai la grille, cette balle. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, salut Thibaut, merci à vous, hein. Merci à tous d'être là sur la deuxième chaîne de Padel Mag, Padel Mag TV, où on diffusera tous les lives, toutes les grosses interviews. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément.
On a besoin d'atteindre rapidement les 1000 abonnés. On est 100 pour l'instant. Hein. Donc j'espère qu'à la fin de ce week-end, on sera au moins, allez, 500, ça serait incroyable. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est tout à fait faisable. En tout cas, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent nous aider, c'est facile. Vous mettez un petit like. Vous commentez sous la vidéo. Vous nous dites un petit bonjour. Et vous partagez ce live. Vous partagez ce live dans les groupes. Il y a peut-être des gens qui se disent qu'aujourd'hui, on n'est pas là parce que c'est pas sur Padel Mag, la chaîne principale. Mais on est là. Donc, mettez-leur un petit message. Dites-le à vos amis. Partagez ce live sur Facebook, sur Insta. Partout. Donc ça, ça va être tapé. Ah, Cyril les volets, il arrive pas à les trancher. Hein. Non, il doit rester là, voilà. Il doit rester. Oh, il l'a pas tenu. 3-2. Toujours qu'un seul break. Anthony et Emmanuel qui arrivent pas à s'envoler. Et je vous rappelle que donc c'est une poule de 4. 4 équipes, une seule sortira dans le tableau final. Il peut y avoir, en cas de forfait annoncé à partir de maintenant, des lucky losers dans le tableau final, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, le listing, messieurs, je vous en parlais tout à l'heure. Tête de série numéro 1, Adrien Maigret, Johan Bergeron. Tête de série numéro 2, mais incroyable, il arrive pile à ce moment-là. Vous l'avez entendu, Manuel Vives qui joue avec Yann Oradou. Ils seront tête de série numéro 2. Numéro 3, Dylan Guichard, Bastien Blanquet. Numéro 4, Benjamin Gruet, Maxime Forcin, qui gagnent tous les P1000 en ce moment. Et voilà. Et Emmanuel, on l'aura la semaine prochaine en direct pour Mario Débrief mercredi. Je serai dans la coloc, celle que vous voyez dans les vidéos de Julien Serin. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bien rangé. On va voir comment ça se passe. Allez, Emmanuel Martin en service pour garder ce break d'avance qu'ils ont fait dans le premier jeu. Ah, Cyril, il fait beaucoup de fautes. Et c'est fou, hein, Miguel Semler qui était il y a deux jours en train de jouer le Major de Mexico et qui se retrouve dans des qualifs de P2000 deux jours plus tard à jouer contre des joueurs top 100 français. Servi. Allez, hein, je le redis, mais c'est important pour nous. Mettez-nous un petit j'aime, mettez-vous nous un petit commentaire et abonnez-vous si vous voulez nous soutenir. C'est très important pour Padel Mag. Et ça fait 4 jeux à 2. Miguel, celle-là, il n'a pas réussi à l'avoir. Quelle barada de Miguel. Et donc pour ceux qui sont là, si vous voulez regarder la chaîne numéro 2, ce sera sur Padel Mag, la chaîne principale. Donc pour voir le deuxième terrain, en ce moment, Julien Pes et Gauthier Boutel jouent contre. Alors, tac. Gauthier Boutel et Julien Pes jouent contre Erwan Corbon et Mathieu Boursereau. Et ça va être très bientôt. Ah, si Steph, tu vois, t'as commenté, donc c'est parfait. Je voulais dire commenter dans le live, hein, parce que quand la vidéo est en direct, on ne peut pas mettre de commentaires. C'est uniquement si vous la regardez après coup.
quel coup de Miguel qui vient trouver les pieds d'Emmanuel. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes 42, on aurait dû avoir 42 de plus, même si j'imagine que vous étiez beaucoup à être déjà abonnés. Elle est dedans. Elle est... Ouais, très bien parlé de la part d'Anthony. Oh, quelle défense! Ouais, bravo. Super échange. Et jeu. Hanouna Semler qui reviennent à 4 jeux à 3 dans cette première manche. Et donc, bah maintenant que vous êtes un peu plus nombreux, on va repartir sur le programme de ce tournoi. Le programme, c'est aujourd'hui les qualifications. Demain, à partir de 9h, 16e, 8e et quart. On enchaîne les 3 matchs dans la journée. On finira avec les quarts le soir. Et dimanche, demi-finale le matin, finale l'après-midi. Et on voit que Cyril est coaché par Adrien. J'avais pas vu que Adrien était coach aujourd'hui. Adrien Maigret. Au coaching avec l'équipe de l'émission Objectif Top 100. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet Objectif Top 100? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous l'avez regardé déjà? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Hein. On le voit Cyril jouer à Alicante dans le club de le Bella Center. On le voit dans des endroits incroyables. Après malheureusement il ne gagne pas beaucoup de matchs. Donc c'est dommage parce que le classement descend à chaque fin de mois. Mais je trouve que c'est top. Hein. Apparemment, les résultats sont très bons. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé l'émission. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en pensez de cette émission Objectif Top 100? Oh, c'est très bien tapé. Très bien tapé de la part d'Emmanuel. Et personne qui me met un petit message là? Je crois qu'on va arrêter la diffusion, c'est pas possible. Voilà, Miguel qui fait une faute lui aussi. Ça va pas les rapprocher d'un des breaks. 40-0, 3 balles pour revenir. Pour revenir, pour se détacher. 5 jeux à 3. C'est pas une puerta, elle a tapé la grille, mais elle est belle. Hein. Elle est très très belle, cet amorti d'Anthony Gravja. Bien servi de la part de Miguel. Il faut gagner ce jeu pour Hanouna Semler, pour aller obliger Emmanuel Martin à servir pour la manche. Toujours un peu plus dur de finir un set, bien évidemment. Il a tapé le sol, il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc comme je vous le disais, la piste numéro 2 va pouvoir être suivie sur Padelmag, la chaîne principale. Quel touch de la part d'Anthony, là ça fait deux fois qu'il nous l'a fait. Petit amorti pour croiser. Ouh, il a glissé Emmanuel. Ça c'est magnifique, quelle zone. Hanouna Semler qui revient à 5 jeux à 4 dans cette première manche. On se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite et la fin de... ce premier set de qualification du P2000 de Colomiers. À tout de suite.
greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make. Allez, c'est reparti. Eh ben, écoute, salut Ludo, frère d'Anthony. Donc, pas très objectif du tout sur le résultat. Écoute, ton frère, pour l'instant, est devant. Voilà, écoutez les encouragements d'Adrien Maigret. Et c'est important. Et Miguel qui rate le retour. Ça, par contre, à 0-15, c'est très grave pour son équipe. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas content de lui, hein. Ça fait 15 à. Monstrueux. Monstrueux, Miguel, ce qu'il vient de faire là. Il allait chercher la balle au-dessus de Cyril. Aïe, 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 elle s'échappe, 30 à. Allez, Flo. Hey, salut mon Jérém, comment ça va, mon poulet? Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Abonnez-vous à la chaîne Padelmac TV, mettez-nous un petit commentaire, un petit like. C'est très important. Oula, alors ça, contre un joueur de ce niveau. Il va l'avoir. Non, il l'a pas. 40-30 balles de 7. Et salut Sylvain, salut à tous. Les gars, 65 personnes en live et 10 likes seulement, c'est interdit. Juste sous la vidéo, mettez-nous un petit like. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, de qu'elle soit proposée à des gens qui arrivent sur YouTube, qui aiment le padel, qui aiment les sports de raquettes. Donc vraiment, faites-le, c'est important. Et c'est fait sur cette belle volée d'Emmanuel Martin qui profitait de la très bonne chiquita d'Anthony Gravja. 1-7-0-6-4, Gravja Martin dans ce premier set. Nous sommes en qualification du P2000. Du P2000 de Colomiers. Aujourd'hui, qualification. Demain, 16e, 8e quart. Et on finira dimanche demi et finale. Tableau masculin, bien évidemment, mais tableau féminin. Et pour la première fois, tableau féminin de 32 équipes, comme celui des messieurs. Donc c'est top. On aura un peu plus de matchs féminins, ça va être un week-end de dingue. Si vous êtes dans le coin, venez. Et la semaine prochaine, très important, soyez là aussi. La Nationale 1, la première Nationale 1 de padel avec les 16 meilleures équipes masculines et les 8 meilleures équipes féminines au Toulouse Padel Club, pas très loin d'ici. Ça va être de la folie à partir de vendredi après-midi, le premier tour. Samedi, carré demi et dimanche, les finales. Ça va être un programme de dingue pour le week-end prochain, mais d'abord on a ce très beau P2000 à regarder avec des paires un peu expérimentales, Bergeron, Maigret, qui vont jouer ensemble pour le dernier tournoi de Joe Bergeron. Et chez les filles, Léa Godallier et Fiona Ligi en première équipe, tête de série numéro 1. Et Ludo, effectivement, bon pronostic. Allez, moi je vous ai posé une question tout à l'heure, personne ne m'a répondu. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Objectif Top 100? Est-ce que vous l'avez regardé? Et est-ce que vous avez aimé, pour ceux qui ont regardé? Voilà, donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez regardé Objectif Top 100 et est-ce que vous avez aimé? Pas tenu 10 minutes, Sylvain, pourquoi? Moi j'ai regardé tout, alors je vais vous le dire, j'ai regardé tous les épisodes quasiment d'affilée. Je trouve que c'était assez bien monté, joli. Alors, après l'intérêt sportif, on en parlera peut-être
une autre fois, mais c'était vraiment voilà, ça donne envie, c'est agréable à voir. Alors après, bien sûr, quand on connaît le niveau de Cyril et quand on l'a vu déjà jouer pas mal de fois, pas assez de padel, beaucoup de Cyril. Ok, ben écoute Thibaut, merci pour ton commentaire, merci pour ton avis. C'est vrai que voilà, ils ont tourné beaucoup sur Cyril. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi Flo. Certains intervenants en font un peu beaucoup, ben bien sûr. Hein, et le truc c'est que ils vont pas dire non, il y arrivera jamais. C'est une pompe à vélo. Hein, donc ça ils peuvent pas le dire. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a, pas, y a peu de paddle, mais le problème c'est que Cyril sur les tournois où ils l'ont, ils sont allés le voir, il a perdu au premier tour souvent. Donc j'espère que pour la saison 2 on verra plus de paddle. Mais le problème c'est que vu que l'intervenant c'est Cyril, si on voit Cyril, c'est les matchs de Cyril. Donc pour l'instant il n'y a pas eu énorme. Malheureusement, c'était pas. L'équipe n'était pas encore en place pour le P2000 de Perpignan où. Il y avait eu une énorme bataille, ils avaient gagné leurs deux premiers matchs et ils avaient perdu au dernier pour aller dans le tableau. Celui-là, ça aurait été top. Hein. Il l'a touché Emmanuel. Malgré sa très grande envergure, il n'a pas pu faire mieux que la toucher du bout de la raquette. Et 0-30 je crois. Ouais, je pense que c'est vraiment énorme pour la promotion du padel, quoi qu'il arrive. Parler de padel, on a un objectif top 100. Ouh là, ça c'est mal tapé, ça va faire 0,40. Et oui, 0,40, 3 balles de break. Les premières de la partie. C'est Ludovic Gravja là qui doit se dire aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils font. Ah, Cyril, il doit faire mieux là. Il doit être plus tranchant, 45, encore 2 balles de break. Voilà, Miguel il dit, c'est pas grave. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver. T'as bien raison Flo. Aïe 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 aïe. Quel cadeau là. 30-40, toujours une balle de break. Allez, balle de break la dernière. Oh, il s'est encore raté. Oh, c'est magnifique. Il l'arrête dans la bande et break. Hanouna Semler. Et est-ce que des gens se sont abonnés un peu là? Est-ce que des gens se sont abonnés? Bien évidemment. Cyril qui l'annonce faute, je sais pas trop, bon, apparemment les fautes, hein. Et ça allait tellement vite, et attention hein, pour Gravja, Martin, Miguel là il est en mode destructeur, J'ai vu beaucoup de matchs de lui avec Cyril et je peux vous dire que là c'est son meilleur. Ah Thibaut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, cette semaine, il était même pas sur le WPT. Il était au Major de Premier Padel de Mexico. Donc dans un tableau final. Et il se retrouve là en qualif de P2000. À l'intérieur, alors qu'il était à Mexico par 30 degrés, beaucoup d'humidité, les matchs qui ont été souvent décalés. Voilà. Il va enlever la balle. Miguel, ça c'est important pour lui. Même si elle est du côté des adversaires, il va pas les laisser avoir une chance de se faire mal. Quelle défense! Voilà, demi-volée de Cyril. C'est défendu. Ça, c'est là, je vous annonce, Théo Zapata, il l'avait. Merci en tout cas à ceux qui sont là. Merci à tous. Mettez-nous un petit like. 83 personnes, que 17 likes. Si vous aimez les retransmissions de Padel Max, si vous voulez nous soutenir totalement gratuitement, eh ben, faites-le. Je vous prends deux petites secondes de cliquer sur ce bouton like. Oula, attention.
30-40, balle de break. Attention. Attention, balle de débreak pour Emmanuel Martin. Au retour et Anthony Gravja. Aïe, 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 aïe. Il dit qu'il l'a touché. Alors là, ils arrêtent le point un peu plus tard parce qu'il ne peut pas jouer la balle. Il y a un superviseur. Est-ce qu'il est en train de regarder du bon côté? Non, malheureusement. Si, si. Ouais, alors là, premier incident du tournoi. Les deux superviseurs sont là. Regardez, maintenant la FFT a mis les petits plats dans les grands. Et je sais pas ce qu'il a annoncé. On va rejouer deux balles. On va rejouer le point. Ouais, exactement, Flo. Je l'ai dit au début. Moi, je pensais qu'il allait passer à Cyril à gauche, mais c'est très bien que pour l'équipe que Cyril reste à droite. Hein. Oh, Emmanuel, ce qui rate là pour débreaker. Et bien Cyril qui fait un de ses premiers points gagnants en touchant les jambes de Anthony, s'excuse. Très fair play. 40-30. Enfin avantage, pardon. Ouais, bien joué Emmanuel. Et ça y est, les Dalton qui arrivent tous un par un. Julien Serin et Philemon Reichmann qui sont alignés demain ensemble, qui viennent d'arriver. Pas mal de joueurs hein, qui sont dans le tableau final arrivent là, tranquille, vendredi début d'après-midi, pour venir taper la balle et après aller se reposer à l'hôtel. Et se préparer pour demain. Et le jeu validé par Cyril et Miguel. 3 jeux 0 dans cette deuxième manche. Allez, on repart. 3-0 à Nuna Semler. Qui font un bien meilleur deuxième set que la première. Quelle vitesse de déplacement. C'est son point faible. Et là, Cyril qui fait une grosse faute. Hein. 30-0. Oui, il la rate totalement mêlée dedans. Peu de chance, là. 40-0. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Hola LM, Miguel juega con un
con Miguel, con Cyril Hanouna, qui est un présentateur de la télévision française. Et un aficionado de padel. Là, il n'a pas le droit de sortir, hein, voilà. On a la réponse sous nos yeux. J'avais pas encore eu l'occasion de voir une sortie, mais sortie interdite. Voilà, il redemande confirmation. Sortie interdite, il y a 8 terrains utilisés aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas sortir sur les 8. Donc, c'est interdit de sortir et ça sera pareil demain. Hein. Pareil demain, dimanche, par contre, sortie autorisée. Voilà. Comme souvent dans les clubs avec énormément de terrain. Ouh là là, là il va très loin. Ah, quel barada. Là, il retrouve son côté naturel. Cyril qui dépose. Petit smash juste au fond du terrain. Alors Thibaut, ne t'inquiète pas pour Miguel Semler. Il gagne de l'argent à faire ce tournoi. Hein, même s'il perd en qualification. Qu'est-ce que c'est bien joué encore. Qu'est-ce que c'est bien joué. Bien évidemment, dans un sport comme le paddle, il y a des équipes qui se forment. Et même sur le circuit ou au paddle tour, il y a des joueurs qui payent pour jouer avec d'autres. Hein. Effectivement, quand on est moins bien classé et qu'on a envie de jouer avec un joueur plus fort, ben soit il y a des arrangements. Soit les joueurs qui payent le joueur pour venir. Et voilà, Miguel qui valide ce jeu 4 jeux à 1, toujours la break d'avance. En fait, voilà, donc les joueurs soit donnent tout le prize money à leur partenaire, soit ben, jouent contre une compensation financière, hein, bien évidemment, en fonction du classement, en fonction du tournoi, en fonction de plein de choses. Et ben c'est... ça peut évoluer. Donc voilà, donc Miguel Semler, ne vous inquiétez pas pour lui. Alors Thibaut, je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. Ouais. Hablo muy mal espagnol. Pero... Intento de hablar. Il y a un espagnol dans le chat, alors aujourd'hui je parle pas espagnol. Hein. Quand on avait fait dans ce même club, les qualifs du World Padel Tour où il y avait 2500 personnes et où il y avait 2000 Suédois, ben, j'avais fait l'effort de parler en anglais. Et pour les matchs entre espagnols, ben, pareil, j'avais parlé espagnol. Mais là, nous avons uniquement LM Sabah, donc on va parler français tranquille, on est 100 français, 99 français, pardon. Donc oui Thibaut, je ne connais pas du tout le... Ça c'est toujours secret, hein, les arrangements entre les joueurs et voilà. Mais ne t'inquiète pas Miguel Semler, quoi qu'il arrive ne dépense rien. Après je ne sais pas s'il est payé en plus, mais quoi qu'il arrive, il n'a aucun frais. Hein, bien évidemment, après il y a certains joueurs qui jouent avec des amis qui sont beaucoup moins bien classés, etc. Mais voilà, je peux pas te dire. Il va l'avoir celle-là, Miguel. Miguel, il a des jambes. C'est impressionnant. Regardez le travail qu'il fait. Que ce soit au fond de la piste ou au milieu, il est partout. Ouais, bien sûr, hein, le jeu est lent pour Miguel Semler. Il est habitué à jouer contre des top 100 mondiaux. Et là, il joue deux top 100 français. Donc, effectivement, pour lui... Il défend avec la latérale avec un peu de chance. Il vaut cher ce jeu, hein, parce que s'ils le reprennent... Cyril, il doit faire mieux, là, il doit savoir que ça va venir là. Les mains un peu basses pour moi. C'est vrai que il joue quand même pas mal sur Miguel. Alors qu'au premier set, c'était beaucoup plus orienté sur Cyril. Mais... en fait, Miguel qui se décale beaucoup et ça leur donne envie de jouer sur lui. Là, par exemple, c'est une grosse erreur de rejouer sur lui. Voilà.
Manuel là, doit rejouer sur Cyril au fond, tranquille. Là, il redonne la chance à Miguel d'avancer. Et en plus, il joue sur le meilleur joueur de la paire. Et on est plus de 100. Je crois que c'est sur la première fois sur Padelmag TV. Merci à tous. Et ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous. Il nous faut absolument les 1000 abonnés rapidement sur cette chaîne. Ah, Cyril qui recule pas. Et salut, Crépo Nutella. Salut à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Si vous ne l'avez pas fait, mettez-nous un petit like sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Objectif, monter à 1000 rapidement. C'est une toute nouvelle chaîne qu'on va essayer de développer. Elle est bonne, il va l'avoir. Oh ! Et Miguel qui la rate, ça c'était quasiment pour se donner une balle de 7. Mais uniquement quasiment, parce qu'il l'a mise dans la grille. Il avait traversé tout le terrain à grandes enjambées. Manquait un peu de lucidité sur la fin. Oula, il s'en sort bien. Il s'en sort bien sur ce jeu. 4 jeux à 2. Toujours un break d'avance pour la paire Hanouna-Semler. Bien vu Cyril, bien vu, bien vu. À deux doigts de la jouer, mais il l'a laissé passer finalement. Salut, salut au compte de Fort Padel. Eh ben, merci de nous accueillir dans ce club fantastique. Qui sera l'hôte de ce P2000 après avoir été l'hôte des qualifications du World Padel Tour de Toulouse, Human Padel. Je sais pas ce qui se passe. Oula. Il l'a, je pense. Non, il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas sauté. 40-0, 3 balles pour mener, 5 jeux à 2. Et on pourrait avoir un super tie hein, dans cette partie. Tellement important dans ces poules de qualification de bien partir. Et par exemple, un set perdu en route pour Emmanuel et Anthony, ça pourrait leur coûter la qualif. Hein, si par exemple, comme c'est possible, hein, toutes les équipes battent Hanouna, Semler. Et ensuite, chacune gagne... Ils s'échangent les victoires, et ben ça pourrait faire élimination à la fin. On en est loin, hein. Ils n'ont pas encore perdu le set, ils n'ont pas encore perdu gagné le match. Oh, et Cyril il doit avancer là, c'est, elle est tellement bonne cette balle de Miguel. Il doit être collé au filet et rentrer dedans. Que les joueuses arrivent aussi. Toutes les joueuses du tableau final. Ouf. Égalité. Les deux balles de 5-2 ont été sauvées. Eh ben salut Nathan. Team Agen Padel Club. Est-ce qu'il y a un joueur d'Agen? Est-ce que Emmanuel Martin, je sais pas de quel club il est, je crois qu'il est de Toulouse. Anthony Gravja, c'est... C'est Padel Touch. Il a, il a. Oh, oh c'est monstrueux ce qu'il fait. Pile devant moi. Et balle de débreak. Salut Pierre. Et salut Rapo. C'est troisième. C'est super tie break. Hein. Alors Rapo, il me semble que t'as gagné un lot dans Mario Débrief, mais tu ne m'as pas envoyé de message. Ou alors je me. Et salut Cindy. Oula, ils sont en mauvaise posture. Oh, il arrive à toucher une zone énorme. Et il débreak. Cyril Hanouna qui tape cette balle. Débreak, Gravja. Martin. Manu Martin, c'est Agen. Eh ben voilà. Eh ben merci. Merci, merci.
Eh ben merci beaucoup pour donc Manu Martin, Agen Paddle Club, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Marie Bourra et Céline Otenac au P2000 aujourd'hui et demain. Eh ben écoute, Agen Paddle Club, très bien. Combien de terrains au Agen Paddle Club? C'est un club que j'ai pas eu encore la chance de faire. Écoute, j'espère y venir bientôt. Combien de terrains avez-vous? Est-ce que c'est couvert? Allez, Emmanuel Martin, Agen, justement, au service pour revenir à 4 partout. Ils étaient menés 4-2. Ils étaient même menés 4-1. Et il y a eu un point très important à 40A qui n'a pas été gagné. Et après Ludovic, c'est Sandrine Gravja. Tout le monde, toute la famille est là. Ah, par contre, Miguel, au niveau des jambes, c'est de là. Hein. Miguel, au niveau des jambes, c'est très très fort. Et personne ne me répond sur combien il y a de terrain à Agen. Hein. Je vais être obligé de chercher sur Padel Magazine. Et est-ce que le club d'Agen... Oh là là, que c'est bien joué. Est-ce que le club d'Agen est partenaire de Padel Mag? Mon Francky. Quelle défense, non, ça a touché l'extérieur, jeu. Et attends, j'ai raté un point là. Ça fait 0-15, attention. 4-4-0-15. Eh ben salut Cindy Gravja. Alors pour commenter, c'est facile, il faut s'abonner. Il faut être juste abonné gratuitement. Mettre le petit abonnement. 3 terrains intérieurs, 2 semi-couverts. Le terrain 2, oui bien sûr, on peut le voir, Jean-Pierre. On peut le voir sur le... On peut le voir, le terrain 2, sur la chaîne Padel Mag, la principale, Padel Mag normal. Le terrain numéro 2 est visible sans commentaire. Oh, Cyril, elle sortait de 3 mètres, celle-là. Oui, bien évidemment, vous avez le lien actualisé sur la page de padelmag.fr. Le site, pardon. Allez-y, vous avez tout à l'intérieur. Et alors ben, bravo à toute la famille Gravja d'être là, toute la famille. Anthony, j'avais fait un tournoi avec lui à Sarlat. On avait malheureusement perdu en demi-finale. Quel lob de Cyril. Il va y aller. Mais derrière. Voilà, on vous met le lien. Et bien évidemment, donc, Agen Club. Partenaire de Padel Mag avec 3 terrains intérieurs, 2 semi-couverts. Et j'espère qu'on ira bientôt. Hein. Oh là 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 là, Miguel qui rate cette balle. Et ça fait balle de break, balle de 5-4, attention. Ils sont en perdition depuis le 4-2. Depuis le jeu de 4-2 où ils ont failli mener 5-2. Il va servir très fort sur la vitre. Non, il sert à l'intérieur. Et c'est fait, c'est fait, break. Gravja Martin qui mène 5 jeux à 4 et qui vont servir pour le gain de cette partie. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont mis un like aussi sous la vidéo. On avance petit à petit sur cette chaîne et vous êtes 150, c'est top. Si vous ne l'avez pas fait, prenez juste un petit peu de temps pour nous mettre un petit like sous la vidéo. On est 150, il n'y a que 25 likes. Ça vous prend une petite seconde juste sous le live. Clique, un petit clic sur le pouce. Ensuite, on s'abonne, c'est gratuit. Et on commente, mettez-nous un petit commentaire dans le chat pour nous dire d'où vous venez. Et oui, Anto de Padel Touch, bien évidemment. Je crois qu'il a participé à la Nationale 2, d'ailleurs, avec Padel Touch, l'équipe 2. Parce que l'équipe 1 doit être en Nationale 1. Un petit doute là-dessus.
Paddle Touch, magnifique club. Ouais, Cédric, je suis un peu d'accord avec toi. Là, c'est trop dur, hein. Dans ces tournois-là, quand on joue contre deux joueurs du top 100, il est vraiment trop faible, même en en jouant avec un joueur qui est 60e mondial. Le problème, c'est que pour moi, Miguel Semler n'est pas du tout le bon partenaire pour jouer avec Cyril. Avec Théo Zapata, c'était bien meilleur parce que Théo est très explosif, fait des points tout seul. Miguel, c'est un joueur de droite qui est un très bon défenseur, mais qui a du mal à finir les points. Et le problème, c'est que, voilà, il lui faut un joueur qui tape, qui finisse les points. Et même avec ça, il n'est pas sûr de gagner, de sortir de qualif de P2000. Hein, parce qu'avec Théo Zapata, ils avaient perdu le dernier match et c'était donc incliné. 30-0 à 2 points du match, à 2 points d'une première victoire dans cette poule pour Emmanuel Martin et Anthony Gravja. Et ça fait 40-0, 3 balles de match. Eh ben merci Martin. Alors attention comment t'écris paddle par contre. PADEL, là tu nous parles du sport sur l'eau. Allez, 3 balles de match. C'est fini. Jeu, 7 et match. Anthony Gravja, Emmanuel Martin qui s'impose. 6-4, 6-4 face à Cyril Hanouna et Miguel Semler. Et bien ça commence pas de la meilleure des façons pour Cyril et Miguel qui démarre cette poule avec une défaite. Et si vous voulez voir les autres équipes de cette poule, c'est sur Padelmag, la chaîne principale avec le terrain numéro 2 non commenté et pas avec le score. Mais vous avez les deux autres équipes de la poule. Merci à tous d'avoir été là. On va rester toute l'après-midi. De toute façon, là maintenant, on va passer sur un match féminin. Le match féminin qui va nous intéresser. Et ça va être Émilie Guizier, Coralie Garrigue contre des joueuses du club contre Manon Marcari et Cassandra Saint-Jean. Et ensuite, on retrouvera Anthony Gravja et Emmanuel Martin contre Erwan Corbon et Mathieu Boursereau. Il y aura donc un match féminin. Ensuite, on retrouve les messieurs. Et enfin, on finira par encore Coralie et Émilie, les joueuses du club, contre Marina Iriart et Fanny Voyer. Et on finira avec Miguel Semler, Cyril Hanouna, contre Erwan Corbon, Mathieu Boursereau. On reste avec vous. Oui, Anto a été très solide hein, pour finir. Très très solide. Et donc, victoire de Cyril. De Anthony Gravja et Emmanuel Martin. 6-4. 6-4. Et ouais, toute la famille est là. Retrouvez, revenez. Hein. Ou alors restez. Mais revenez dans une petite heure. Peut-être même moins. C'est suivi d'eux là, les matchs. Hein. Donc il y a un match féminin. Et ensuite, directement les hommes. Hein. Donc ça peut durer, si c'est rapide, ça peut durer 30 minutes. Hein. Pour voir le deuxième match très important d'Emmanuel et Anthony qui vont aller chercher leur qualif. Hein. Il faut 3 victoires pour être sûr d'être qualifié. Et après, des fois, ça peut passer avec 2 victoires, mais voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Si vous ne l'avez pas fait, mettez-nous un petit like, 35 likes. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Abonnez-vous à la chaîne Padelmag TV où on diffusera bientôt uniquement sur cette chaîne les lives. Et mettez-nous un petit commentaire dans le chat pour nous dire d'où vous venez. Merci. À tout de suite.
Thank you.